Bonjour à tous, c'est Cécilia. Je suis ravie de vous retrouver en ce 26 décembre pour vous faire partager de quelque chose qu'il y avait au pied de mon sapin. Alors, il s'agit du gros coffret de la Spiritual Box. Alors, j'ai juste entrouvert, j'ai juste déscotché en fait le carton. Je voulais pas vous faire un carnage en direct. Et j'avais très très envie en fait de vous partager l'envoi de la Spiritual Box. On va la découvrir ensemble parce que finalement je me suis dit voilà, j'enlève juste le scotch, mais je déballerai avec vous pour qu'on découvre ensemble. Donc voilà, on va le faire ensemble. Je suis ravie et je les remercie d'ailleurs bien fort pour l'envoi de la box. Et puis qu'elle soit arrivée, elle est arrivée le 24, elle était au pied de mon sapin le 25, et comme ça j'ai pu justement pouvoir l'ouvrir avec vous le 26, c'est juste top. Alors, donc on a le petit logo hein, ici de la Spiritual Box. Je vous ai fait une vidéo en octobre, parce que j'ai rencontré les créateurs de la Spiritual Box sur un salon en septembre, et on a fait une petite interview ensemble, et c'était vraiment, sont vraiment des gens de cœur, et que je suis ravie vraiment de pouvoir soutenir leurs projets, soutenir leurs actions en fait à travers ces vidéos que je vous fais en vous montrant les produits qu'ils proposent, parce que vraiment on est dans l'idée d'un vrai partage, d'un vrai échange. Ce sont des personnes, ce sont deux jeunes, alors je dis deux jeunes parce qu'ils sont plus jeunes que moi, qui parcourent le monde, qui voient d'autres spiritualités, d'autres façons de faire et qui en fait à travers leur box ont envie de partager ça. Et je trouve ça vraiment très très chouette. Je vous ai proposé celle de novembre, je vous ai montré aussi celle de septembre, donc voilà celle de décembre. Donc, alors on a toujours le pochon. Alors dans celle de décembre, le pochon, il y avait un petit sapin dessus. Ils avaient fait un petit logo spécial pour celle de décembre. Par contre, moi, mon colis s'était perdu en fait. Donc je suppose qu'ils ont dû me renvoyer une box un petit peu plus entre guillemets en urgence en fait. Et donc ils avaient peut-être plus ces petits pochons là. Mais voilà donc. Le pochon traditionnel, et sur celui de décembre, il y avait un sapin avec une petite box en dessous. Enfin, c'est trop chou, le petit pochon comme ça, sous le sapin. Alors, je l'ouvrirai après parce que comme vous pouvez le voir, il y a quelque chose en dessous. Ça, c'est le petit dépliant qu'il y a toujours avec les produits qui sont offerts. Waouh! Regardez! Waouh, 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 c'est un coussin de méditation dans les tons bleus en plus. Et dans les tons bleus, c'est génial parce que ma maison est dans les tons bleus. Vous en avez une petite partie juste ici. Mais sinon, oui, la plupart de ma grande pièce, en tout cas l'endroit où je fais mes méditations, est dans les tons bleus. Il est magnifique, mais par contre, je suis un petit peu... Je suis bluffée en fait d'avoir un coussin de méditation en plus. Alors, je vais l'ouvrir. Il est super beau. Il est magnifique. Waouh. Et apparemment, comme je le vois là sur le prospectus, Made in Bali. Alors, chute des températures, manque de lumière, météo, maussade, etc. Pas de doute, l'hiver pointe le bout de son nez. C'est en particulier à cette saison qu'apparaît la fatigue, une baisse de tonus, une certaine irritabilité, voire de l'anxiété. Grâce à la méditation, surmonter l'hiver et éviter la dépression saisonnière, c'est possible. Parce qu'il est l'outil de méditation, de relaxation et de yoga par excellence. C'est vrai que, en plus, comme il est carré, on peut l'utiliser comme une brique de yoga, finalement. Et il est dur, donc on peut tout à fait l'utiliser comme on utilise une brique de yoga. Ce coussin a été conçu spécialement pour toi. Comme tu le vois, plusieurs modèles ont été créés, chacun à ses couleurs, mais tous magiques et fabriqués avec une forte éthique.
Nous espérons que la couleur du coussin que tu as reçu te plaît, mais sache que si tu l'as aujourd'hui entre les mains, c'est parce qu'il était pour toi. Alors oui, en plus du coup, ce sont des coussins aléatoires, hein, aux couleurs aléatoires. Et bien écoutez, c'est parfait qu'il soit bleu parce qu'il est exactement raccord avec mon chez-moi, raccord avec mon coin méditation aussi. C'est parfait. C'est parfait. Vraiment, vraiment parfait. Bravo. La présence de ce coussin dans cette spiritual box est l'opportunité pour toi de découvrir ou redécouvrir les bienfaits de la pratique de la méditation. La réduction du stress, une meilleure concentration, un plus grand lâcher-prise, recul sur les diverses situations, une amélioration de la santé de manière générale. Et pas besoin de méditer pendant des heures, une pratique de quelques minutes par jour et de manière régulière te changera littéralement la vie. Namasté. C'est super. J'avais vu qu'ils les vendaient sur leur site. Mais c'est super parce qu'en fait, rien que le coussin en tant que tel est au prix de la box en fait. Donc du coup, et puis je vois dans le petit prospectus qu'il y a plein d'autres choses dans la box. Je suis bluffée. Alors justement, on va découvrir ensemble. Alors. Ah, c'est génial. Regardez, ils sont tous emballés dans du papier bulle. La dernière fois, ils ne l'étaient pas. Et là, je suis bien contente qu'ils le soient. Alors, qu'est-ce que c'est ? On dirait du sel rose, du minéral pour le bain. Ouais, je crois que c'est ça. Je vais regarder le petit prospectus. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, Little Moon Essence. Alors, c'est au nord du Pakistan, au pied de l'Himalaya. Oui, c'est ça, c'est du sel rose. C'est du sel rose de l'Himalaya. Alors, le sel rose de l'Himalaya, celui-là, donc j'ai vu pour le bain. Donc ça, c'est génial. Le sel, vous l'utilisez pour purifier. Le sel rose de l'Himalaya, il est très, très bon pour ça. Qu'est-ce qu'ils en disent? À l'abri de toute pollution extérieure, ces mines de sel rose sont traditionnellement exploitées depuis 2000 ans et l'on retrouve mention de ce sel dans les textes ayurvédiques qui en décrivent les nombreuses vertus. Donc il est réputé pour sa richesse en minéraux et oligo-éléments. Imagine-toi sur une plage californienne en plein hiver. Te tremper profondément et longtemps dans les eaux féeriques parfumées faites avec le sel hawaïen de mer que l'on embrasse avec l'argile rouge de l'île de Kauai. Je suis désolée, je ne connais pas, donc je ne sais pas comment on le prononce. Les huiles essentielles de bois de santal, de noix de coco s'élèvent délicieusement et installe une ambiance de paix et relaxation profonde. Utilise une poignée généreuse après l'entrée dans le bain. Respire cette merveilleuse odeur d'évasion vers un paradis tropical. Voilà, donc c'est ajouté à l'eau de votre bain. Vous avez un conseil d'utilisation en soins corporels juste en dessous. Donc voilà, il y a du sel rose de l'Himalaya, ça c'est génial. Super. Alors, on a... Alors, dans cette box, j'ai l'impression qu'ils font des associations en fait avec des créateurs. La dernière fois, je vous avais montré, je ne me souviens plus du nom de la créatrice, on l'a retrouvée sur Etsy. Elle faisait des produits comme ça aussi qu'on pouvait vaporiser. Et très très sympa, j'étais allée voir d'ailleurs sur son site Etsy après. Et sur sa boutique Etsy, pardon. Et là, donc, c'est une association avec Little Moon Essentiel. Voilà. Pour faire découvrir aussi les produits de cette marque-là. Cette marque américaine installée dans le Colorado, dont les produits sont faits à la main. Little Moon Essentiel fabrique ses merveilles soigneusement formulées avec des ingrédients purs et 100% bio et vegan. Donc là, on a un spray relaxant pour la nuit que vous pouvez vaporiser, du coup, je suppose, sur l'oreiller ou autour de vous. Pour vous endormir la nuit. Alors juste très envie de sentir.
Je vais le mettre sur le coussin. Il y a de la lavande. Alors, qu'est-ce que c'est? Camomille, bergamote, lavande et citron. Super. Calme et nourrit l'organisme pendant la relaxation et le sommeil. Génial. Ben, vous pouvez en plus l'utiliser pendant vos relaxations même. Top. Alors, un thé vert orange et épices. Super jolie la petite boîte. Oh là là, ça sent super bon. On a déjà parlé de thé ensemble, hein, à plusieurs occasions. Donc un thé de Noël. La plus ancienne marque de thé française, cette entreprise familiale, existe depuis 1848. Et vous avez toutes les instructions après pour aller avec. Et il y a encore quelque chose à l'intérieur, une bougie. Une bougie aux couleurs des chakras. Alors, biodégradable. Hop. Alors, c'est en anglais, donc je vais vous lire plutôt le petit prospectus. Super sympa. Elle sent le citron. Ah, le citron, oui. Le pamplemousse. C'est ça en fait, c'est du pamplemousse. Pamplemousse ou orange? Et là j'ai un doute. Non, c'est du pamplemousse. Alors, un accessoire symbolique et traditionnel pour Noël, la bougie bien sûr. Conçue à partir de cire de colza écologique 100% végétale, en verre recyclé, cette bougie est fabriquée de manière traditionnelle avec l'huile parfumée sans parabènes. Biodégradable et donc inoffensive pour l'homme et l'environnement, elle te permettra de décorer et parfumer ton intérieur et sera ton agréable allié au cours de tes séances de méditation. Alors, sur quel chakra, quel aspect de toi-même as-tu besoin de travailler? Ce n'est pas un hasard si tu as reçu cette couleur. D'accord, alors comme le coussin, vous aviez plusieurs couleurs différentes. Voici les parfums que tu peux croiser. Donc moi, j'ai celle du plexus solaire avec l'estime de soi. Délicieuse. Vraiment délicieux. L'estime de soi. Ça peut être pas mal au moment de Noël quand on fête justement les fêtes de façon différente que les autres. Ne serait-ce que par un régime végétarien ou vegan différent et que du coup ça pose problème au reste de la famille. C'est pas mal d'avoir un petit peu d'estime de soi pour appuyer son point de vue et pour ne pas se laisser marcher sur les pieds à ce moment-là. Vous sentez le vécu. Donc voilà, ouais. Ben, je vais l'allumer avant de partir en vacances. Super. Waouh, génial. Ben, écoutez, un très très beau, voilà, tout ce que vous pourrez retrouver dans la Spiritual Box de décembre. Par contre, je suis vraiment bluffée qu'il y ait autant de choses parce que justement, très souvent dans les box, vous avez juste des, comment ça s'appelle, des échantillons. C'est pour ça que j'aime beaucoup le principe des box, mais je ne l'utilisais pas jusqu'à présent parce que justement, j'avais un petit peu l'impression qu'on n'avait que des petits échantillons de certaines choses. Alors que là, c'est une box qui est incroyablement riche, fournie, très très bien pensée justement, puisqu'elle est en fonction des saisons, en fonction de ce qu'elle peut nous apporter à cette période de l'année. Donc je trouve ça génial, elle nous fait découvrir un thème, là on est sur le thème de la méditation aussi. Donc super, j'adore. L'histoire des coussins et des bougies aléatoires aussi pour... savoir ce qui va arriver pour nous et ce qui va, comment dire, c'est une surprise, mais en même temps c'est quelque chose du coup qui nous est destiné. Je trouve ça chouette, je trouve ça vraiment bien, voilà. Bon, mais en tout cas je suis vraiment ravie d'avoir pu vous faire découvrir cette box
toujours pareil, hein, la Spiritual Box. Vraiment bravo, continuez comme ça et je vous adore, la Spiritual Box. Voilà, je vous souhaite de très belles fêtes à tous. On se retrouve très bientôt pour être en direct, donc après les fêtes. Et entre-temps, je vous ai intercalé des petites vidéos. Je vous embrasse bien fort.